dans cette petite vidéo où nous allons créer une petite session de mouvement pour t'aider à mieux dormir. Alors, on va la travailler ensemble aujourd'hui et je t'inviterai ensuite à la réaliser chez toi sur la musique de ton choix. On commence tout de suite. Alors, on va se placer ici, assise sur les talons, genoux serrés. Si tu te sens mal à l'aise dans cette posture, tu peux écarter les genoux et tu peux également, si tu le souhaites, décaler les pieds à l'arrière. Ça va dépendre de ta souplesse et surtout de la gêne que tu peux ressentir ou pas au niveau des genoux. Donc on va commencer par cette posture, on va y rester, on va prendre quelques respirations. La colonne est droite, la tête est dans le prolongement de la colonne, les épaules sont basses et loin des oreilles. Je reste ici sur quelques respirations. La deuxième posture que nous allons réaliser se passe sur le dos. Donc, pour y arriver, je vais poser mes mains sur le côté, donc d'un côté ou de l'autre, comme tu le souhaites, pour faire passer les genoux et relâcher le buste vers l'arrière. Je vais ramener les genoux vers la poitrine. Les genoux se touchent et les pieds sont joints. Je vais rester ici sur quelques respirations. Je vais faire des cercles dans un sens pour masser le bas du dos contre le sol. Dans l'autre sens. Je ramène les genoux au centre, j'ouvre les bras en croix au niveau des épaules, je vais basculer les genoux et les jambes vers la droite et je vais venir chercher une torsion et tourner la tête vers la gauche. Même chose, je reste ici quelques respirations. Je ramène les genoux et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, petite indication ici. Plus je suis souple et plus je veux venir chercher de l'étirement en même temps, plus je vais pouvoir monter les genoux. Et si je veux rajouter une difficulté, je peux ici venir tendre les jambes. Le but étant de venir chercher de la détente. Ok, d'ici je vais m'aider des genoux pour me redresser. Je prends une ou deux respirations ici. Puis de nouveau, je relâche vers l'arrière. Je pose les pieds dans le sol et je vais monter le bassin vers le plafond en décollant vertèbre par vertèbre. Je resserre les omoplates et je peux ici, si je le souhaite, venir chercher mes chevilles. Et je respire. Ok, je vais m'aider de mes genoux pour remonter. Et je t'ai rajouté ici une posture qui est la posture de l'enfant. Donc, je m'assois soit sur mes talons, soit je les mets un petit peu plus larges. Même chose pour les genoux, je peux venir genoux serrés ou genoux un peu plus larges. Et je vais poser la tête ici, sur le sol, quelques instants. La session que je t'ai amenée avant ne t'a pas suffi.
Alors, tu vas avoir plusieurs possibilités pour pratiquer cette petite session. Tu vas pouvoir la pratiquer comme celle que je viens de te donner maintenant, donc très restauratif en restant sur plusieurs respirations sur chaque posture. Et tu vas également pouvoir la pratiquer, si tu le souhaites, en musique, en l'enchaînant. Et c'est l'enchaînement et la répétition du coup qui va t'amener dans un état de méditation et de relaxation. Je t'invite pour ce flow à le réaliser sur une musique assez douce et assez lente, puisque l'objectif ici étant de faire descendre ton rythme et pouvoir vraiment arriver à une relaxation intense pour arriver à un endormissement plus facile. Donc, je te montre du coup ce que ça pourrait donner en l'enchaînant. Inspire, expire, passe les jambes et relâche. Et je vais à droite et je vais à gauche. Et ouvre, passe côté et change. Reviens au centre. Relâche, monte le bassin de la fond. Relâche. Ramène genou poitrine. Et je peux recommencer cette petite session à l'infini. En respirant, en prenant le temps dont j'ai besoin. Une fois que tu auras réussi à enregistrer, à acquérir ce petit bout de chorégraphie, je t'invite à le réaliser chez toi tous les soirs pour faciliter ton endormissement. Et je t'invite à venir me faire un petit coucou pour me dire ce que tu en as pensé et ce que ça a donné. Je te souhaite une belle soirée et une belle nuit et je te dis à bientôt.